cette exposition, je l'ai avant tout axée sur le thème qui s'appelle « Série de tableaux vis-à-vis ». C'est-à-dire, ce sont des diptyques qu'on peut placer de différentes manières. On peut même, avec certains, faire 16 propositions différentes. Donc, chaque fois, les couleurs sont inversées. Dès qu'on veut superposer vertical, horizontal, enfin, on fait ce qu'on veut. Donc, la personne qui prend un tableau comme ça chez elle, la possibilité, sans son humeur, de l'échanger. Le plus difficile, c'est de trouver la texture de base, c'est-à-dire le dessin. Et ça me prend peut-être le plus de temps. L'inspiration, c'est un gros mot, c'est surtout beaucoup de travail. Maintenant, l'inspiration, c'est assez curieux. Quand j'ai des insomnies, je fais des tableaux dans ma tête. Et j'ai toujours un petit carnet à côté de mon lit. Et puis voilà, je note vite les idées, et après je les développe. Souvent, je travaille aussi à l'ordinateur avec la palette graphique pour chercher les couleurs. Parce qu'avant, je le faisais tout à la main avec les crayons de couleur, avec les feutres et tout ça. Ça me prenait un temps fou, tandis que maintenant, en cliquant 2-3 secondes, j'ai toutes les possibilités chromatiques que je peux utiliser. Eben diese Art Bilder interessiert mich sehr. Das ist modern. Und diese Art gehört auch fast zu meinem Beruf als Typograf früher. Ich habe auch viel mit Schriften und so gearbeitet. Je suis venu à Brig parce que, premièrement, il y a des gens très sympathiques qui m'ont invité. C'est Madame Rubin qui a soumis cette idée de fêter mes 75 ans en invitant mes amis peintres du haut et du bas.